Non, non. Décidément, t'en as beaucoup des questions, toi. Tu sais, il y a les DM qui existent. Ouais. Là, je peux pas compris. Ouais, je comprends ce qu'il voulait dire. Parle vite, tais-toi. Si ouais. Vraiment, en fait, on aura quelque chose. Non, en fait, ce que je veux dire, ça veut dire en fait qu'on aura faut garder un cadeau et que ça va vous utiliser un cadeau. Non mais il a raison, on aura. Non, on va qu'avoir Guff. La Guff, c'est le cadeau en fait. Guff, c'est le cadeau en fait, c'est la place du cadeau. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Allez, Bibi. C'est du kilo. Allez, bisous. Bye. Ouais, ciao. Bon, David, du coup, j'ai changé ton CDO. Et bien. Vous savez, dans mon pays, quand on dit bisous à un homme, vous savez que tu es gay. Hein? Quand on dit bisous à un homme, dans mon pays, on dit que tu es gay. T'es homophobe? Ouais, bah ouais. Bon, allez, qu'est-ce que tu fais? Putain, mais y'a pas de parole, les gars. Il va nous, tes parents? C'est pas moi, chérie. C'est pas moi. Les gars, ça donne ce moquer, hein.
Allô, allô. Ouais, ça va? Je suis morte. Tant mieux, tant mieux. J'ai vu que t'étais sur Fortnite, moi aussi. Oui, désolé. J'ai dit que j'ai vu que t'étais sur Fortnite et moi aussi. Ah, vous allez jouer à quoi? Ah. Ah. Juste pour info. Ah. Mais juste pour info. Ah. Bah, tu veux que je te dise l'info que j'allais dire ou... bah, il y a un skin, t'as vu, que tu peux avoir gratuit sur PC. Mais j'ai vu une vidéo pour l'avoir gratuit sur Play. Et j'ai réussi à l'avoir, donc si tu le veux. Bah, oh, attends, je t'ajoute. Toi, t'es plus quoi sur Fortnite? Tryhard, fun, t'es quoi? Bah, il y a un skin que tu peux avoir qui est un peu tryhard de Noël aussi, grâce à la technique. Enfin, si tu veux, après, si tu veux le skin et si tu veux voir la technique, attends, juste, c'est quoi ton épique? Ok, ton pseudo, c'est, il commence par fou ensuite. Attends. Fou 05, non? Fou 05. Ensuite. Quoi? Jouable. J-O-U. Et ensuite. R. J-O-U. Attends, je vais regarder. Attends, quoi que... tac... Fou 05... Attends... Je me suis trompée? Bon. Fou... 0... 95... Tac... Je t'ai invité. Et là, je t'ajoute aussi. Vous avez piqué. C'est celui-là. Non, c'est pas ce skin qui est tryhard. Non, mais il y a un autre skin qui est tryhard que tu peux avoir avec la même technique. D'ailleurs, demain, je vais l'avoir moi aussi en faisant la technique. Et je vais avoir un autre skin aussi. T'as vu le skin que j'ai? Et bah attends, quoique, c'est plus simple. Va dans la cabine où tu sais, tu peux avoir les cadeaux là. Va dans les cadeaux de droite et t'as vu, t'as à peu près le même skin que moi, mais en version belge et blanc, qui dort. Et bah demain, en faisant la technique, je vais pouvoir l'avoir en avance. Parce qu'en gros, tu sais, ce skin, tu peux l'avoir en ouvrant des cadeaux, mais vraiment, c'est tout à la fin. Je reverrai en janvier. Et du coup, moi, vu que j'ai envie de l'avoir plus tôt, bah, demain, je suis... Voilà. Parce que là, il est tard et j'ai la flemme. Surtout que c'est une question un peu de rapidité. Et tu veux le nom du skin tryhard? Comme ça, tu regardes à peu près à quoi il ressemble. Parce que... Il s'appelle Evelyn Arctic. Non, c'est Arctic Evelyn. Et ça aussi, tu peux l'avoir dans les cadeaux, mais tout à la fin. Même si quand tu vas dans les cadeaux, c'est dans les cadeaux à gauche et c'est le gros cadeau en vert là. Tu sais, même justement, quand tu cliques dessus, c'est marqué on le garde pour la fin. Et ben on le garde pour la fin parce que c'est justement le skin Arctic Evelyn. Tu l'aimes bien? Enfin, t'as regardé là sur ton tel? Tu l'aimes bien? Tu le veux? Faut que tu... Attends, tu peux me donner ton Insta ou quoi? Parce qu'il faut que tu rejoignes un serveur Discord.
Ouais. Bah en gros je t'explique, puis demain ou quoi, parce qu'en même temps je comprends que t'as la flemme, même en temps normal t'aurais la flemme. Mais là c'est parce qu'il est tard. Genre une fois que t'as rejoint le serveur Discord, il faut que tu fasses slash plus le nom du skin. Attends, je vais te dire c'est quoi le nom. Comme ça moi je me renseigne. En gros, il faudra que tu fasses slash quelque chose. Ensuite, ça va t'emmener vers un lien. Ou même ça va te mettre clic R. Même le logo, ce sera un logo avec un code. Faut que tu cliques dessus. Que tu te connectes à ton Epic via Play. Ou encore, pas obligé, hein. Tu peux te connecter à ton Epic via autre chose si tu as quelque chose d'autre qui est relié. Ensuite, une fois que c'est fait, ça t'emmène vers un truc où en gros tu auras un code. Ce sera un long truc et il faudra que tu copies-colles. Enfin, et en fait, le code il va commencer où il y aura un égal et il va finir où il y a des guillemets. Du coup, tu vas copier juste après l'égal et tu vas copier avant les guillemets. Ensuite, tu vas retourner sur Discord, tu vas faire slash login. Ensuite, ça va te demander de mettre le code que tu as eu sur le site. Une fois que c'est fait, bah, enfin, tu fais coller pour le code, pour que tu mettes le code. Ensuite, ça va te mettre comme quoi tu es connecté, mais en anglais, genre que ça y est, ton compte est connecté. Ensuite, je refais slash plus le nom du skin. Ça va te redemander de cliquer. Tu fais clic R, et ensuite, tu auras un gros logo d'Epic Games. Où ça sera marqué achat reçu, enfin achat validé, un truc comme ça. Moi, quand j'ai eu le skin là tout à l'heure, bah, ça m'a mis ça. Et ensuite, tu relances ton jeu. Et puis, ça va te mettre. Tu sais, comme quoi tu prends un pack PS Plus, ça va te mettre votre achat ou je sais pas quoi. Votre achat a été fait. Non, vos récompenses vous attendent, un truc comme ça. Et puis il faudra que ça s'actualise. Genre, tu sais, t'as vu les actualités quand tu fais L2? Et ben normalement, ça va te les mettre tout seul. Ensuite, une fois que tu feras fermer, donc avec rond, une fois que tu quitteras les actualités, tac, t'auras le skin. Je te jure que c'est vrai, tu peux même aller voir une vidéo si tu me crois pas. Tu connais Sois Cool, mec? Ouais, bah en fait, lui, il fait plus, tu sais, des tutos de comment faire les défis, tu sais. Par exemple, imaginons, t'as un défi que tu trouves compliqué dans tes quêtes, genre les My Hero Academia, sauver des mannequins d'entraînement dans l'eau. Bah, tu sais, il va faire un tuto de comment faire et tout. Et lui, bah, c'est lui qui aussi qui a montré le glitch, comment faire ça. Et il y a aussi un mec qui en a parlé sur Twitter, c'est comme ça que j'ai connu plus précisément. Et juste, bon, même si je pense que tu as oublié entre temps. C'est quoi pour avoir le skin? Attends. Si j'essaye slash. Non, attends. Arctique. Non. 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 Ready cash. Non. Toujours ready cash. Quoique, je pense que ce sera la même chose. J'ai oublié de te dire un détail. Allô?
T'as vu le skin là que je t'ai dit si tu voulais avoir? Tu sais, vu que de base c'est un skin qu'il faut ouvrir avec les cadeaux. Et bah, faudra que t'ouvres un cadeau pour l'avoir. Genre, je sais, c'est bizarre, mais t'as vu le skin que j'ai? Enfin, même je te l'ai montré, tu sais, le skin que je veux avoir demain. Et bah, vu que moi aussi de base c'est un skin cadeau, je devrais faire la même chose que toi. Genre, en gros, une fois avoir fait la technique, faudrait que j'ouvre un cadeau. Et tu sais, la récompense qu'il y a dans le cadeau, et bah, je vais pas la recevoir. Genre, imaginons dans un cadeau, il y a. Imaginons dans le cadeau que je vais utiliser, il y a un emoji. Et bah, demain, au lieu d'avoir l'emoji, et bah, l'emoji sera remplacé par le skin que je veux en utilisant la technique. Genre. Voilà. Par exemple, demain, quand tu vas faire la technique, n'importe quel cadeau que tu vas ouvrir, bah, dans le skin, enfin, dans le cadeau qu'il va y avoir, tu vas avoir le skin, mais pas la récompense. Attends, au pire, ça, utilise-toi, moi, ça me sert et ça va me servir demain. Parce qu'en gros, justement, tu sais, t'as des bonnes récompenses dans les cadeaux. Et tu vois, ce serait dommage de gaspiller une bonne récompense contre un skin. Enfin, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un skin, mais tu vois, t'aimerais bien avoir la bonne récompense. Et du moins, j'ai vu que dans les récompenses, il y avait un tag, et le tag, je l'ai pas encore eu. Du coup, je vais sacrifier le tag pour avoir le skin que je veux demain. Et t'as un youtubeur qui a montré toutes les récompenses qu'il y avait dans les cadeaux, et en plus, c'est vrai. Hein. La preuve, j'utilise la photo qu'il a fait. Et en gros, j'ai screen la photo et je m'en sers pour voir il y a quoi dans les cadeaux. Et comme ça, je regarde, j'ouvre quoi comme cadeau. Tu peux me donner ton Insta ou quoi, comme ça, je t'envoie le truc. Comme ça, demain, tu t'en sers. Aïe, aïe, aïe. Par contre, regarde pas mes posts, à part mon avant-dernier post. Enfin, non, pas mon avant-dernier. Mon dernier post. Si tu veux, regarder. Hein. Si tu veux. Après, Snap, tu sais, c'est. Je sais pas. Beaucoup. Vas-y, c'est quoi ton Snap? Oh! Oh! Vas-y, c'est quoi? E-W-A-N. Attends, quoi? E-O-R. Ouais, j'entends pas quoi? Ouais, E-W-A-N. Ah, C-O-R. Ouais. N E I. Attends, N E I. Ouais, N. Ah non, Ewan Corneille 2019. Ouais, voilà. Même moi, j'ai 2019 dans mon pseudo. Faut que t'acceptes. Voilà. Alors, je vais t'envoyer le screen. Ah oui, pour info, le skin, si tu veux le voir de plus près, c'est celui-là. Voilà. D'ailleurs, je l'ai screen, parce que je voulais aussi le montrer à un pote. Alors, 2 secondes, hein, je cherche dans ma galerie, parce que je l'ai pris il y a quelques jours. Non. Pour... Si tu veux voir le skin de plus près, hein. Non. Attends, je crois que j'ai dépassé là, ouais. Tac, tac, tac. Le screen, il est à peu près... Là, voilà. Tac. C'est bon.
Et là, tu vois toutes les récompenses qu'il y a dans les cadeaux. Et du coup, t'as vu le skin là? Et bah, tu vas l'avoir en avance si tu regardes tout en haut là. T'as vu le skin dans le gros cadeau vert? Bah, du coup, demain, si tu fais la technique, tu veux l'avoir sans attendre, je sais pas combien de jours. Et t'as vu, t'as un tag plus une emoticone. Bah, demain, je pense que je vais faire la technique en ouvrant le cadeau où il y a l'emoticone. Comme ça, au moins, je m'en fous de pas avoir l'emoticon. C'est qu'un emoticon. Ah oui, pour avoir le skin que toi, tu vas avoir, vu que je pourrais sacrifier quoi. Le tag, en vrai, j'aimerais bien le garder. Même si je veux pas l'utiliser, parce qu'en vrai, il va avec mon skin un peu. Je sais pas. Et puis à part la musique Doom, j'ai tout ouvert pratiquement. Bon, déjà je peux que sur le truc. Tu veux qu'on joue? Ou tu veux. Pareil. Enfin, je suis fatigué, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Oh, vas-y, vas-y. Demain tu joues? Ok. Vas-y. C'est ta pire famille. C'est mon gros zizi. Je suis coco au nez, un chapelé. C'est ta pire famille. J'ai un gros zizi. Nanani, ni. Nanani, ni. Non. Aïe. Oh man. Non, 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 non. Ah, Mikhaïl, tu sais que le mec qui m'a montré la technique, avec à peu près la même technique, juste il y a 2-3 qui changent. Il y a 2-3 trucs qui changent, et bah dis-moi quoi. Oui, je vais pas tarder. Et bah tu sais qu'avec à peu près la même technique, pour nous visuellement, il a les skins les plus rares du jeu et les emotes les plus rares du jeu. Ça veut dire via Discord, il a juste à taper un petit truc et entrer le petit truc. Et nous, pour nous, s'il faut, il a la Renegade Raider, plus le floss, plus la danse iconique, sauf que pour lui, il l'a pas, il n'y a que pour nous. Genre, imaginons que pour toi, j'ai la Renegade Raider comme skin. Genre là, là, dans le salon, j'ai la Renegade Raider. Mais moi, je vois pas que j'ai la Renegade Raider, il n'y a que toi et tes collègues qui voient que j'ai la Renegade Raider. Mais pour moi, sinon, je l'ai pas. Genre ça veut dire c'est bien pour épater les gens, mais toi tu te vois pas comme ça. Tu dois avec quoi alors? Bah si c'est toi qui fais le glitch, tu dois avec le skin que t'as mis. J'arrête n'importe quel skin de ça marche. Par exemple si je mets le skin Bambi, toi tu vas me voir en skin iconique. Mais moi je vais me voir en skin Bambi. Et toi et tous les autres, vous allez me voir en skin iconique alors que moi je me vois en skin Bambi. Tu vois? Et c'est à peu près avec le même glitch. Il m'a dit, c'est un peu pareil, il m'a dit. Parce qu'en gros, tu sais, je l'ai vu taper des trucs sur le Discord et je me disais c'était quoi. Je lui ai rejoint, je lui ai posé la question.
Et il m'a un peu expliqué. Et je dis, et c'est quoi? C'est la même technique que pour les skins. Il m'a dit, on va dire ça, il m'a dit. Donc c'est un peu préparé sûrement. J'aime bien fumer ou du shields. J'aime bien fumer ou du shields. En 1991, le couple décide de se passer la bague d'oie. Ils étaient à Las Vegas. Ils avaient déjà deux enfants, donc ils se sont dit, et si on se mariait? Je pense qu'ils l'ont fait sur un coup de tête. Mais quand on y réfléchit, ils avaient déjà fondé une famille ensemble. C'était logique. L'année qui suit est une longue lune de miel. Steven se consacre entièrement à sa vie de famille. Et surtout à sa femme. Steven était complètement raide dingue de Becky. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Si quelqu'un la regardait de travers, il était prêt à se battre. C'est le jour de Thanksgiving. Steven et Becky passent la journée avec leur famille. Quand on se réunissait pour fêter un événement, il y avait toujours une atmosphère joyeuse et chaleureuse. On rigolait beaucoup. Généralement, on passait 90% du temps dans la cuisine. On préparait le repas tous ensemble, on papotait, on se racontait des vies. On passait un bon moment, tout simplement. Ben, je suis un camp, hein. Non, j'arrive. J'ai vite compris que c'était à cause de Steven. Breton 2. 4-3-2. Breton 2. Je pense qu'elle était tiraillée entre l'amour qu'elle ressentait pour moi et l'amour qu'elle ressentait pour moi. Breton 2. Steven et Becky préfèrent garder leur problème. 4-3-2. Je les ai jamais vus. Breton 2. Qu'ils avaient de gros problèmes de couple. Mais je la connaissais par cœur. Et je sentais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Ils se partagent leur éducation et... continuent à passer du temps ensemble. Je vais m'asseoir avec maman. Quand mes parents ont divorcé en 1993, je me suis rendu compte de rien. C'est puissant. Garage. Michel 95. L'enchaîne des blagues pour amuser la galerie. Quand elle dit, la vie de famille, la vie de famille.
Welcome to the Hero Training Gym, inspired by Jim Gamma from Ryan Harris. Oui, mais moi je rêve, c'est pas le Paris. During this exercise, we'll have you split into two teams, Team Alpha versus Team Beta. To win, your team needs to score a total of 100 points. You can score points by eliminating your opponents with your team, or by capturing rescue zones randomly across the map. Choose between three classes, each with their own unique stats and skills. The tank, the assault, and the support. Select your class and loadout once you enter the locker room, but don't worry. La rivière. Maman, on arrive. Maman, on n'est pas des racailles japonaises, on arrive. Enfin, si, on est des racailles japonaises. Mais on arrive. Il voulait pas que ça gâche le Noël.
je crois voilà, personne qui veut. Ah voilà. Et
qui était censé appeler Steven pour lui confirmer qu'elle était bien arrivée. Mais elle ne l'a jamais fait. Il m'a dit, est-ce que tu peux aller sur place pour vérifier que tout va bien? Melinda explique aux policiers que David et elle sont arrivés chez lui et les avons tout le monde. Cher Raphaël, t'as dit que j'étais un bâtard. Bah ouais, logique. Bonjour, moi c'est Michel. Allo, Akito Jibril. Je vais faire de la 2v2. Ah oui, moi c'est Mamoudou. Oh putain, ta gueule. Là, pourquoi tu joues là? Mamoudou, arrête s'il te plaît.